Comment faire donc pour que toutes les balises à 2 répondent à la même présentation? Donc pour cela, on va définir une nouvelle section dans notre page HTML, une section qui pourrait être dans l'entête ou ailleurs, ça n'a pas tellement d'importance, une section que l'on va appeler style. Et cette section appelée style va recevoir aussi, comme là, comme ici, un attribut. Parce qu'il faut préciser. Alors, la plupart des navigateurs vous le pardonneront, mais en principe, la syntaxe est celle-là. Donc, c'est un style, une zone de style. Donc là, vous allez indiquer comment vous voulez la présentation, c'est-à-dire du style. Et le document, l'information, se trouve au format texte, c'est du bête texte. Comme on a écrit ici, hein, du bête texte. Et au format CSS, qu'est-ce qu'il y a des style sheet? Je reviens dans quelques instants à la raison pour laquelle on appelle ça feuille de style en cascade. Qu'est-ce qu'il y a des style sheet? Donc, voilà. Ça, c'est une section dans laquelle vous allez donner toutes les informations sur la présentation de votre document. Mais dans cette section, on va mettre plein de choses. Et j'ouvre un petit peu pour faire de la place. Alors, par exemple, je vais dire que tout ce qui est P, paragraphe, eh bien, aura une certaine présentation. Cette présentation est définie entre des crochets. La présentation exacte n'a pas d'importance. Hein. Voilà, comme ça c'est pas mal. Et pour tout ce qui est P, P c'est quoi? Les paragraphes. Eh bien, je dis que je veux une couleur. On avait dit vert, je crois. Hein. Donc, green. Deux heures suffisent. Voilà. J'enregistre. Je reviens à mon document. Et oui. En une fois, tout ce qui est paragraphe est devenu vert. Vous voulez une couleur? Oui. Ben oui, sûrement vous voulez une couleur. Blue. Hop, j'enregistre, je reviens. C'est bon? Bon. Alors, et maintenant, pour les balises titre de niveau 1. Qu'est-ce que vous pensez comme syntaxe? On écrit. Pour les balises titre de niveau 1, j'écris H1, la paire d'accolades, et allez, le texte est en bleu, donc maintenant je vais le mettre en vert. Le point virgule n'est pas indispensable parce qu'il n'y a rien derrière, mais prenez l'habitude. Ok? J'enregistre, je reviens sur mon document, et hop! Oh! Ça marche pas! Ben, je regarde de nouveau mieux. Est-ce que j'ai fait une faute? H1, j'ai bien mis la collade, color égale gris. Ça marche pas. Ça ne marche pas pourquoi? Regardez ce qu'il a fait. Voici ma famille. Il ne le met pas en vert. Il ne le met pas en vert parce que ici, j'ai dit, tu vas le mettre en rouge avec un fond jaune. Donc, autrement dit, il y a eu une directive générale en haut, dans la feuille de style. Ici, quelqu'un a dit, tous les titres de niveau 1 seront en vert. Mais, il y a un petit despote local qui est arrivé et qui dit, les styles pour H1, pour le style pour ce H1
celui-ci. Parce que s'il y a un deuxième H1 dans la page, hop, je mets un deuxième H1. H1, test. Je l'enregistre, je reviens. Le 2, oh, regardez, le deuxième H1, il est en vert. Pourquoi est-ce qu'il est en vert? Parce que ici, il n'y a personne qui est intervenu localement pour modifier la présentation. Voici ma famille, il y a quelqu'un qui est venu ici, qui a dit « Oh, ce sera en rouge avec un bon. » Donc, ce qui a été précisé ici très localement, après séance sur ce que le gouvernement a décidé. Le gouvernement, c'est la feuille de style, et localement, c'est ici, au niveau de la bâtiment. Chaque balise est définie dans la feuille de style. Donc, actuellement, les paragraphes sont en bleu et les titres de niveau 1 sont en vert. Qu'est-ce que vous avez choisi pour les titres de niveau 2, puisqu'on en a plusieurs? Allez, choisissez une jolie présentation. Et on se retrouve dès que j'ai fini. Voilà, moi j'ai fini. Et tout à l'heure, quand j'ai commencé par là. Bah, au pire, on va ça, on ça, This is terrible.